De meningen over Wallonië, dames en heren, we kennen ze onderhand. Walen zijn lui, ze kennen geen Nederlands en ze kosten ons handenvol geld. De bekende clichés. Panorama kreeg daar op de heupen van en trok een paar weken door het Waalse land. Een ontdekkingsreis. Ja, natuurlijk kun je daklozen en dronkaards filmen in Charleroi. En jazeker, de werkloosheid is er hoog. Maar je komt er ook mensen tegen die de handen uit de mouwen steken. Optimisten die zeggen dat Charleroi over 10, 15 jaar aan de top zal staan. Een rijke Antwerpenaar heeft er alvast een halve straat opgekocht. Er is het Wallonië van de politici met hun gespierde taal aan het adres van de Vlamingen. En er zijn ook de Walen die kwetsbaar durven te zijn en die ons vragen om ze niet te laten vallen, om ze wat tijd te gunnen om uit het dal te kruipen. Is Wallonië zichzelf uit het moeras aan het trekken? That's the question. C'est un artiste, il brûle la buste, et il se noie dans tout sa verre. Dans tous ses vers, c'est un artiste, ce mec qui profite et qui veut sa vie, qui vit son art. Je trouve que c'est une ville de toxicomanes et ben vous avez la preuve juste ici en fait. Effondré devant la commune, c'est la commune en fait, hein, ici. C'est la commune. Hein. Et voilà quoi. Regardez, ils essayent de le relever là. Il n'y a pas moyen. Trop lourd. À midi, les gens ils sont déjà morts pleins quoi. C'est pas normal. C'est pas normal. Ça aussi, c'est la vie. C'est Charleroi. C'est Charleroi. Ici, c'est vraiment un problème quoi, ici. Je trouve quoi. Vous pouvez tourner la caméra 360 degrés, vous verrez bien, il y a encore plein de clochards tout autour ici. C'est vraiment une ville de clochards quoi. Charleroi, c'est une très belle ville. Bon, c'est vrai qu'il y a un peu de. Beaucoup de délinquants. Beaucoup de chômeurs. Beaucoup de chômeurs, ouais. Mais c'est bien. De SDF voilà. Aussi, il y en a beaucoup. Il y a une bonne ambiance voilà. Quoi. Quand on vient ici, on se retrouve tous, tout le monde se connaît. Voilà, c'est bien. C'est moins froid que quand nous on va chez les Flamands. Eux ils sont très très froids. On n'aime pas trop la Flandre en fait. C'est pas qu'on n'aime pas, c'est qu'on sent mal à l'aise. On sent mal à l'aise parce que. Ils nous aiment pas, ils sont racistes les Flamands. Pas tous, hein, mais une bonne partie. Tous, voilà. On nous dit toujours, ouais, les Wallons c'est des bêtes, les Flamands. Les Wallons ils travaillent pas, les Wallons ils font rien. C'est pas parce que les Flamands pas, en fait, hein. Qu'on est voilà. Cons. Et même les profs nous rappellent qu'on est cons. On doit y aller. Voilà. On ne connaît rien. Même les profs ils disent que les Flamands ils sont mieux que nous, alors voilà. Voilà quoi. Onze eerste halte is Nijvel, vlak onder de taalgrens. Nijvel hult zich in de Belgische driekleur. Geen splitsing hier alstublieft, wel in tegendeel. Moi, j'ai mis un drapeau belge pour bien montrer que je suis belge. Je ne suis pas wallonne, je ne suis pas flamande, je suis belge. Je suis belge, je suis wallonne, j'aime autant les flamands. Ma maman était flamande, mon papa était wallon. Oh ben, il n'y a jamais eu de guerre entre eux, et voilà. La Belgique a été créée quand même avec du sang, hein, on s'est battu pour ça. Que ce soit des Flamands ou des Wallons, on s'est battu pour garder une indépendance. Et il y en a qui doivent se retourner dans leur tombe quand même, hein. Sérieusement. Moi, je n'ai pas apprécié du tout l'émission à la RTB sur le séparatisme. Je trouvais que c'était ridicule de donner des idées. Flamand de se séparer. Mon mari travaille à Bruxelles. Bon, si la Belgique se sépare, comment ça va se passer? Bon, je sais pas. On ne sait pas. On essaye de ne pas y penser, au fait. Oui, ça nous fait peur. Le Wallon réagit plus facilement à ce risque de séparation que le néerlandophone.
Alors peut-être que le néerlandophone, d'abord, n'a pas la même mentalité que nous, ça c'est certain, ils ne réagissent pas de la même manière, et pour eux, il n'y a peut-être pas de problème. C'est eux qui veulent le séparatisme, donc ils nous font peur, ils nous ont fait peur. Je pense que dans une Europe comme aujourd'hui, on ne peut pas se séparer. C'est la boîte de Pandore. On fait l'Europe, et puis alors un petit pays comme la Belgique veut se séparer. J'ai des gens qui reviennent d'Espagne, et depuis notre problème, ça va très mal là-bas aussi. Oui, là, hein, les Pays Basques. Oui, les Pays Basques et l'Espagne. Les Catalans veulent se séparer, l'Italie du Nord veut se séparer de l'Italie du Sud. Le symbole numéro un de la Belgique, c'est quand même l'union fait la force. Donc c'est quand même quelqu'un, au départ, qui a trouvé que ce slogan s'adaptait à notre condition. L'union fait la force. Eh bien, restons unis et l'union fait la force. Charleroi, de grootste stad in Wallonië. Met een reputatie. Sin City in België. De aanblik van de stad is bevreemdend. Zware staalindustrie en woonwijken in elkaar verstrengeld. Moi, je pense que c'est quand même un bon quartier, quoi, malgré ça, parce que tout le monde se connaît avec tout le monde, il n'y a pas de problème avec personne. Mais c'est les gens qui viennent du pays de l'extérieur qui viennent noircir notre pays, qui viennent vendre leurs drogues, tic-tac, quoi. Il y a beaucoup de chômage, oui, c'est ça. Les jeunes, maintenant, ils ont 18 ans, ils veulent tout de suite aller au chômage et être tranquille. C'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes qui veulent travailler maintenant. Les jeunes, maintenant, ils sortent de l'école. Déjà, ils vont même pas à l'école comme il faut. Ils attendent 18 ans pour être tranquilles et pour aller au chômage, quoi. Sinon, moi, je suis content de mon quartier, je suis content de mon pays. Par les usines qui polluent un peu, mais ça, c'est normal. Il faut du travail pour les gens aussi, quoi. Moi, je sens ça dans ma vie parce que bon, on est en notre cours. 2 heures après, c'est une poussière noire. Quand tu laves ta voiture, ben, c'est la même chose. C'est juste ça, le désavantage. Bon, sinon, il y a combien de milliers de personnes qui travaillent dans cette usine-là. Donc c'est normal, quand on voit le paysage là, la fumée là, que ça fait là, non, c'est normal, quoi. Ici, dans ce quartier, ça s'est dégradé très fortement. Jusqu'à peu, il y avait beaucoup, beaucoup de dealers. Charleroi a fait un effort il y a un mois pour essayer de la faire partir, mais il y en a toujours, quoi. Ils sont toujours présents. Problème de sécurité, de drogue, de vol, c'est tous les jours. Avec tous les gens qu'il y a, les gens qui m'ont volé, ils ont des voitures qui mettent à feu, des gens qui pètent les pneus, les gens qui font bordel avec les motos, voitures, des voitures volées qui laissent par ici, c'est vraiment bordel. Ils ont de la police, il n'y a pas de contrôle. Ils s'en foutent. Quand on voit quand on l'appelle, les voitures de police qui sont en panne là, hein, qu'il n'y a pas de pièce alors. Quand on l'appelle, s'il y a, mettons ici, pas dernier moment, ils ont un camion de mazout qui vient mettre du mazout, ils ont volé de l'argent, tout ça, on appelle la police, ils disent il y a des blessés, il y a 2 ans en terre. Alors ils n'ont même pas bougé. Il y a certains partis qui disent mais on est pour une séparation parce qu'ils prennent le cas de Charleroi et c'est très difficile à changer. Non, ça ne doit pas se faire, ça. Parce qu'on a toujours vécu ensemble depuis 1830. Il fut une certaine époque où les Flamands sont venus travailler chez nous parce qu'ils avaient besoin de la Wallonie. Maintenant, on dit toujours l'union fait la force. Pourquoi maintenant les Flamands n'aideraient pas un peu la Wallonie? Ça fait déjà, disons, un petit peu de temps d'ici qu'il y a un petit peu de gens qui changent aussi pour la production. Que ça est vraiment dégueulasse. La production qu'il y a ici, la fumée est trop sale et tout ça. Et ça, on a la chance que maintenant il va fermer. C'est malheureux pour les ouvriers, qu'il y a tout le monde qui a envie de travailler, mais. Ici, c'est vraiment dégueulasse.
Al tientallen jaren braakt de koksafdeling van staalfabriek Karsit haar rookpluimen uit over de stad. Maar over enkele maanden sluit ze definitief de deuren. On va arrêter la coquerie normalement fin de l'année et on va avoir du coq en provenance de Russie pour alimenter le haut fourneau. Conséquence directe, c'est la perte de 200 emplois. C'est évident que perdre son emploi, ça ne fait pas plaisir. On est aussi dans une région, Charleroi, où le taux de chômage est quand même très important. Et donc perdre 200 emplois dans la région, c'est une catastrophe. Maar van sociale onrust is geen sprake. Vakbond en directie zorgden ervoor dat de getroffen werknemers elders in de fabriek aan de slag kunnen. On est un contre-pouvoir, on intervient, on négocie chaque fois que c'est possible et puis on mène la lutte chaque fois que c'est nécessaire. Maintenant, si vous prenez par exemple en parlant de la lutte, le taux de grève, vous verrez qu'il est plus élevé en Flandre qu'en Wallonie, et que la Wallonie, autre image tout à fait fausse et qui ne correspond à aucune réalité, là encore les chiffres l'attestent et le prouvent, n'est pas du tout une terre de gréviculteurs. Bon, ça fait quand même 7 ans qu'il n'y a plus une journée de grève. Tout s'est toujours réglé par la discussion, et par réunion, compromis, et voilà, on est arrivé sans journée de grève. En er is toekomst. Duferco, de Italiaanse eigenaar van Karsit, investeert 500 miljoen euro in haar vestiging in Charleroi. C'est un point qu'il ne faut pas négliger. C'est les sommes colossales que le secteur de l'acier draine aujourd'hui. Et c'est le fait que tout en étant une industrie qui date d'hier, c'est aussi une industrie qui aujourd'hui est une industrie d'avenir, parce que c'est une industrie qui est en forte croissance, où les produits deviennent de plus en plus pointus, où les savoirs et les savoir-faire sont de plus en plus exigeants, où la qualité est d'une extrême précision, et donc ça n'a plus rien à voir avec le passé. De voorzitter van de Socialistische Mutualiteit in Charleroi is Jean-Claude van Kouwenbergen. Hij was naast Waals minister-president vele jaren burgemeester van de stad. De PS-schandalen nekten zijn politieke carrière. C'est une ville ouvrière, avec cette caractéristique négative que vous regardez par la fenêtre. Vous avez l'industrie dans le cœur de la ville. Toutes les fumées, moi j'étais confronté quand j'étais bourgmestre, qu'est-ce qu'on fait? Des usines polluent trop, on les arrête et on met des milliers de gens au chômage. Donc ça a toujours été un grand conflit entre qualité de l'environnement et nécessité de l'emploi. C'est une ville qui a eu des malheurs, comme l'affaire du trou, qui nous a donné une mauvaise connotation. Et un deuxième malheur, c'est la série des affaires et des difficultés. On constate qu'il y a eu incontestablement un affaiblissement d'un norme, un estompement des normes, comme on dit chez nous. J'en ai supporté la responsabilité politique, puisque j'ai démissionné, non pas pour des fautes que j'aurais commises dans la gestion du gouvernement, mais j'ai démissionné parce que, comme leader politique important, à Charleroi, je voulais assumer ma part de responsabilité en démissionnant. Il épouse en deuxième noce sa collaboratrice sur la Côte d'Azur, loin des affaires qui ont fait de lui un pestiféré à Charles. Si vous vous promeniez dans la rue avec moi, vous verriez que je ne suis pas tout à fait pestiféré. Mais bon, la camaraderie socialiste fait qu'elle ne se fonde pas sur la méfiance, elle se fonde sur la fraternité et la confiance. Ça, c'est sans doute une erreur que nous avons commise. Et là, je fais mon mea culpa. Nous avons fonctionné sur un principe de confiance plutôt que sur un principe de contrôle. La semaine prochaine, en exclusivité, Vanco règle ses comptes. Donc il faut encore un la semaine prochaine. Moins j'ai de responsabilité, plus je suis dans le journal.
Personne ne peut dire qu'aujourd'hui, on soit là en train de se balancer dans le hamac de la solidarité, à ne rien faire, à se tourner les pouces. On peut encore faire mieux, plus vite et plus fort, mais bon, il y a quand même de gros efforts qui sont faits. En Charleroi is meer dan staalindustrie. Net buiten het centrum ontpopt zich in de zogenaamde Aeropool een hele cluster van innovatieve bedrijven. Je crois que la Flandre elle a raison d'exiger de nous que l'on poursuive nos efforts. Si demain il y avait une séparation, bah, évidemment on devrait accélérer encore les choses ou transformer les choses. La population connaîtrait une régression sûrement sur certains points. Moi, cette situation-là ne me fait pas peur. Je ne la souhaite pas, mais ne me fait pas peur du tout. Ça serait pas facile. Il faudrait sans doute se serrer la ceinture et travailler davantage. Je pense qu'on ne serait pas la première région, le premier pays qui passerait par ce genre de situation. Investisseurs qui arrivent à l'heure actuelle et des investisseurs notamment en grande partie flamands qui arrivent sur la ville. Il faut dire que Charleroi, contrairement aux idées reçues, et là je vais peut-être paraître très 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 positif, mais je ne crois pas, c'est pour moi la ville d'avenir en Belgique. Notre passé a été un petit peu notre cercueil. Mais maintenant, il est aussi notre avenir. Et là, nous avons des centaines d'hectares qui vont être réaffectés dans le futur et qui vont pouvoir donner une expansion à la ville, ce que je crois que beaucoup d'autres villes n'ont pas aujourd'hui. Alors, il faudrait laisser la paix aux gens, il faudrait laisser les gens travailler. Pourquoi limiter dans le temps les heures de travail? Pourquoi faire? On vous limite à 8 heures, on vous limite à tout, on vous limite dans tout. Je pense qu'en Flandre, on est beaucoup plus ouvert et qu'on laisse un petit peu plus les gens travailler et se débrouiller et avancer. Et à ce niveau-là, je comprends que la Flandre veut se séparer de la Wallonie. On a un état PS, ça va changer, ça a l'air de changer. Je crois que finalement, ce qui se passe ici à Charleroi n'a pas été une mauvaise chose pour la Wallonie. On va se redresser, croyez-moi bien, dans 10 ans, on sera cité un exemple, j'en suis persuadé. Je suis persuadé de ça. Les Wallons ne sont pas que des fainéants. Oh non. Van de grootste naar de kleinste stad van Wallonië. Het contrast is enorm. Durbuy wordt het jaar rond overspoeld door Vlaamse weekendtrippers. Geen staalindustrie hier, wel goede restaurants. Nous sommes à Durbuy, Durbuy dans les Ardennes belges, la plus petite ville du monde. Le restaurant, ben, ici, c'est le sanglier des Ardennes. Je pense que 70% sont d'une clientèle du Nord et un peu des Hollandais et un petit peu des francophones. Mais on parle plus le néerlandais à Durbuy que peut-être à Knokke. Je pense qu'à Knokke, on parle plus le français que le néerlandais et à Durbuy, on parle plus le néerlandais que le français. Je comprends en tout cas quand dans le nord du pays, on n'est pas content par rapport à certaines attitudes. C'est peut-être une attitude politique qui a lieu à Charleroi, mais c'est pas parce qu'il y a des mauvaises politiques à Charleroi que toute la Wallonie est pourrie. Il faut pas faire un amalgame, il faut savoir séparer les choses. Donc je suis pour un nettoyage du côté de Charleroi, et je pense que c'est très nécessaire, oui. Le PS a eu de mauvaises attitudes, de mauvaises gestions. Mais maintenant, le gouvernement vient de changer, il y a d'autres couleurs. Et donc, c'est déjà une belle preuve de changement et de faire peut-être plus confiance à la Wallonie. Je pense que c'est le bon moment et que je comprends que le Nord mette de la pression par rapport à des choses, à du nettoyage qui doit se faire dans cette région et des pratiques du PS qui sont inacceptables. On a peur ou triste ou déçu parce qu'on pense qu'on est un beau couple, un beau mélange.
Même s'il y a des différences culturelles entre le nord et le sud, on est assez complémentaires. Peut-être que le néerlandophone a une image un petit peu plus rigoureuse et plus droite. Le francophone peut-être un peu plus chaleureux, mais le mélange des deux fait quelque chose, je crois, un pays très sympathique. Bergen is de thuisbasis van PS-opperhoofd Elio Di Rupo. De binnenstad is prachtig opgeknapt en Bergen heeft veel ambitie. De stad wil in 2015 culturele hoofdstad van Europa worden. Clairement, je pense que c'est l'arrivée au poste de bourgmestre d'Elio Di Rupo en 2000 qui a été ce que vous appelez le déclic. C'est vrai qu'auparavant, la ville était un peu en léthargie, c'était un peu en sommeil. Sur le plan culturel, c'était très clair, même s'il y a toujours eu des artistes et des gens de qualité à Mons, mais il n'y avait pas une politique fondamentale qui mettait ça en évidence. Et je crois que Elio Di Rupo a compris que si la ville devait se réveiller, elle devait le faire aussi à travers la culture. La vision globale, et c'est vrai qu'elle n'était pas positive, mais de la même manière, nous n'avions pas non plus une vision très positive d'une Wallonie en léthargie, d'une Wallonie du chômage, d'une Wallonie de l'inaction. Et donc pourquoi nos voisins auraient été admiratifs de ce que nous-mêmes nous n'aimions pas? Et je crois que ça est en train de changer, je vous l'ai expliqué. Je pense que là, en Wallonie, on prend conscience qu'il y a des forces, que nous sommes un pays jeune, que nous sommes un pays en croissance. Et je pense que ça va passer chez nos voisins et amis flamands aussi. Ces travaux de rénovation du patrimoine de la ville vont aider à la candidature de Mons pour 2015. Mais ils n'ont pas été faits pour ça. Ils ont été de même que tout le renouveau, le redéploiement économique, culturel, patrimonial de la ville n'a pas été fait pour ça. Il a été d'abord fait pour relever Mons. Vasseur gaat langs bij Franco Dragone, die zich in Bergen heeft gevestigd. Dragone is een monument in de showbusiness. Hij is het creatieve brein achter Cirque du Soleil. En werkte samen met sterren als Céline Dion. J'aurais pu aller m'installer où j'étais, c'est-à-dire dans une métropole, Montréal, New York, à Las Vegas, j'ai 4 spectacles qui tournent là-bas. Et je suis venu, envers et contre tout, m'installer dans la région ici où il y a 30% de chômeurs. Mais pourquoi? Parce que justement, je pense qu'ici, il y a quelque chose à faire. Et un peu comme dans le désert du Nevada, on est allé planter un peu de beauté. Vous savez, j'ai travaillé beaucoup en Hollande. C'est ridicule ce que les Hollandais disent de moi flamand, des Flamands, des Belges. C'est absurde, parce qu'ils disent que les Flamands sont fainéants par rapport aux Hollandais. Les Hollandais sont bien organisés. Les Flamands sont pas bien organisés. C'est ce que disent les Hollandais. C'est ridicule de reproduire ça partout. Vous comprenez? Nous avons en Wallonie un vrai problème d'emploi. Un vrai problème de formation. C'est sérieux, faut pas le nier. Nous avons en Flandre un vrai problème de vieillissement de la population. Il faut pas l'oublier. Et les choses peuvent changer tellement vite. C'est clair qu'on a été dans la première moitié du XXe siècle avec une Wallonie prospère et une Flandre qui était beaucoup plus arriérée. Et puis ça, les choses ont changé. Rien n'est acquis. Et je pense que personne, jamais, à aucun moment, ne doit être assis sur son précaré et déterminé à le faire triompher à tout craint, parce que demain sera peut-être un désert. Sans la dimension, je vais dire, du nord du pays, il me manque quelque chose. Et pour moi, s'il manque... La mer du Nord. S'il manque la mer du Nord, s'il manque Gand, s'il manque Bruges, s'il manque Menin, mais je le dis Menin, non, si ça me manque, c'est comme si j'étais incomplet. Donc pourquoi? J'ai pas envie d'être incomplet. Moi, je vis bien avec ça. En er is nog aandacht voor Bergen vanuit Amerika.
In Beaudour, een klein voorstadje, heeft internetgigant Google enkele hectare industrieterrein gekocht en bouwt er zijn centrale Europese datacentrum. Een investering van 200 miljoen euro, goed voor 120 nieuwe jobs. Google koos dus voor Wallonië. Maar rond Louvain-la-Neuve hebben ze niet op Google gewacht om zich in de ICT-sector te wagen. Het Waalse bedrijf Iris is al enkele jaren wereldleider in zaken digitale verwerking van documenten. Wij werken enerzijds voor grote klanten in de softwarewereld, ook bij grote scannerfabrikanten zoals HP en vele anderen, dus meer dan de helft van de scanners in de wereld gebruiken Iris-technologie. Anderzijds hebben we als grote klanten ook banken, overheid. Bij Iris vandaag werken bijna 500 man. Dat is een heel snelle groei geweest, gezien dat 5-6 jaar geleden waren we nog met minder dan 100 man. En alleen maar het laatste jaar zijn er meer dan 100 medewerkers bijgekomen. Waals-Brabant is, zegt men ook, misschien het Wallifornië van Wallonië. Rond de streek van Louvain-la-Neuve hebt u toch een aantal bedrijven die in de technologie werken, in een aantal verschillende technologieën. En ja, Waals-Brabant is zeker vandaag een toch toonaangevende, zelfs een leider zou ik zeggen, in het creëren van nieuwe jobs. Ik denk dat inderdaad meer wordt gecreëerd rond bijvoorbeeld de Universiteit van Louvain-la-Neuve, rond de Universiteit van Luik ook. In recente documenten zag ik nog dat er meer technologiebedrijven worden gecreëerd in Wallonië nu dan in Vlaanderen. Wallonië heeft zeker, en dat voelen wij, een imago dat niet goed is. Drie van onze directe managers zijn Vlaamse mensen. En ik weet dat er sommigen moeten gaan uitleggen in hun familie dat ze gaan werken in Wallonië. En dat men hen raar bekijkt van, wat doet je daar? Ja, ik ga werken in Louvain-la-Neuve. En toen dat wij ook een bedrijf hebben overgenomen in Vlaanderen, weet ik dat daar toch onrust is geweest van, oei, een Waals bedrijf koopt ons op. Wat gaat dat zijn? En natuurlijk, nu is dat 2 jaar geleden, dat is allemaal heel goed verlopen en de samenwerking is heel goed. Maar ik weet dat het imago inderdaad soms een last is voor ons. Ik denk dat men reeds nu vaststelt dat er meer gevoeligheid is voor efficiëntie in Wallonië en dat dat zeker ook het gevolg is van de druk die er nu komt vanuit Vlaanderen naar meer efficiëntie overal. De verstandhouding tussen ondernemingen en de regio is aan het verbeteren, dat is duidelijk. Er zijn acties aan de gang en veel wordt gedaan om dat allemaal te onderlijnen. Nog deze week heeft Iris een prijs gekregen voor innovatie. En dat was de eerste keer dat de Waalse regio echt kijkt naar wat zijn de grote innovaties die hier gedaan worden. Dat moet je ook gewoon naar kijken nu naar de laatste verkiezingen, waar dat de PS niet meer de eerste partij is. Dat is duidelijk een enorme verandering. Dat is sinds de Wereldoorlog niet meer gebeurd. Dus dat is iets toch reëel, waar men toch mag verwachten dat het zeker een impact krijgt op het beleid in de komende jaren. En La Libre Belgique zijn Brusselse kranten, geen Waalse. Een wereld van verschil. Louis Maret is editorialist bij Sudpress in Namen, de grootste Waalse krantengroep. BHV, pour le lecteur de Sudpress, c'est une compagnie aérienne. C'est un courrier express. Donc eux, entre DHL et BHV, je ne suis pas sûr qu'ils font la différence parce qu'ils s'en foutent. L'habitant de Cherat-Hauteur ou de Arlon, BHV, ça ne le préoccupe mais absolument pas. Et quand on est écrit dans Sud presque les Wallons, qu'est-ce qu'ils attendent? C'est que le gouvernement s'occupe de leurs problèmes, c'est pas qu'ils s'occupent de BHV, ils savent pas ce que c'est et ils n'ont pas envie de le savoir, ça ne les intéresse pas. De nieuwe Waalse minister van Sociale Zaken, Magnet, nodigt journalisten uit op een informeel etentje om kennis te maken. On peut déjà parler, mais...
toute façon, nous n'avons rien à cacher à nos amis flamands. Pour le Wallon, la Flandre est unique et une unicité flamande. Donc c'est la Flandre. Les médias ont encouragé ça parce que on donne toujours les mêmes images. C'est quand il y a une manifestation, c'est les flamingants avec Belge Barst. Et donc ça entretient cette image d'unicité flamande. Or, c'est parce qu'on la connaît pas bien, parce que les médias francophones ne font pas nécessairement le travail, ne se donnent pas les moyens pour aller en Flandre pour expliquer que la Flandre est très différente. De Cercle de Wallonie is een besloten club die de decision-makers van Wallonië herbergt. Voor de leden worden allerlei activiteiten georganiseerd. André van Hekke staat aan het hoofd van de Cercle de Wallonie. L'ancienne Wallonie, c'est l'image que vous aviez, pour ceux qui ont vu le film de Full Monty. C'est l'image qu'ont parfois les Bruxellois de la Wallonie, c'est que tout le monde est sur un trottoir en jogging devant un bureau de chômage en train d'attendre pour aller pointer. Mais cette image-là est une image triste d'une Wallonie qui a vécu pendant plusieurs générations dans un état d'esprit d'assistanat. Et cet état d'esprit-là est fondamentalement en train de changer. Jean-Claude Malcourt, Waals PS-minister, geeft une lezing pour les leden van de Cercle de Wallonie. Oui, nous avons un problème, mais nous voulons le régler. Et c'est pour ça que nous voulons prendre des mesures pour dire aux chômeurs, il y a de l'emploi qui se crée et vous devez l'accepter. Il faut une rupture d'état d'esprit, augmenter l'esprit d'entreprendre, dynamiser l'entreprise, mettre l'entreprise au centre de l'activité humaine en Wallonie, parce que ça donne de l'emploi. Et donc c'est un discours très socialiste, mais effectivement, avant on osait moins dire très clairement, le PS veut développer les entreprises. Il y aurait un certain complexe du flamand par rapport à la Wallonie. Je peux vous assurer qu'aujourd'hui, il y a un fameux complexe chez le Wallon quand il entend à longueur de médias, de presse, de télévision dans le nord du pays qu'il est paresseux, qu'il est bon à rien, qu'il est au chômage, qu'il n'a pas envie de travailler, etc. C'est fatigant, c'est épuisant, et à la fin, ça commence à vous fabriquer des complexes. Pris positivement, ça devrait en fait provoquer des réactions. Onlangs lanceerde de Waalse regering haar Marshallplan, dat Wallonië er opnieuw bovenop moet helpen. Moi, je pense qu'il faut d'abord instaurer une confiance. Pour entreprendre, pour dynamiser quelqu'un, il faut lui donner de la confiance dans l'avenir. Et ça, c'est la première chose du plan Marshall, c'est de dire, nous devons avoir confiance, nous sommes capables. Nous avons été une région extrêmement riche, extrêmement prospère. Vous devez reprendre confiance en vous et on va vous aider pour avancer. J'ai bien connu la Flandre il y a une vingtaine d'années. Eh bien, elle était en plein développement, avec beaucoup d'initiatives privées, des petites PME, etc. J'ai le sentiment que aujourd'hui, la Wallonie est dans cette situation-là. Ce que je peux affirmer comme entrepreneur, ayant dirigé des entreprises dans les trois régions du pays, c'est que je peux dire qu'aujourd'hui, les choses changent. Et elles changent dans les deux sens, d'ailleurs. Bon, il faudra 20 ans pour que les courbes se retrouvent, mais elles sont en train de s'inverser. Je constate des phénomènes d'essoufflement sur certains points du côté flamand, avec tout le respect que j'ai pour le dynamisme qui est très grand de la Flandre. Il y a des rigidités qui commencent à s'installer, des mouvements démographiques qui sont inquiétants, même à terme, manque d'espace. Et de l'autre côté, qu'est-ce qu'on constate? Qu'il y a une prise de conscience. Op naar Vres-sur-Semois,
de grens van de provincie Luxemburg en Frankrijk, hartje Ardennen. Want het jachtseizoen is geopend. Donc sanglier et chevreuil, mouflon, cervidé. Aujourd'hui on tire un fond. Il y en a. Il y en a. Les Ardennes, c'est une très belle région d'une qualité environnementale exceptionnelle. Nous sommes donc ici dans la battue. Les traqueurs vont se mettre en ligne pour rabattre le gibier vers les chasseurs qui sont déjà postés tout autour. L'Ardennais vit quand même dedans de grandes forêts profondes. Je pense qu'au cours des siècles, il s'est forgé un caractère et ce caractère est assez fort, ça c'est vrai. Ce sont des durs, comme on dit. C'est des gens qui sont assez calmes, mais oui, ils savent ce qu'ils veulent. C'est-à-dire qu'ils ont un caractère bien, bien forgé. Voilà, en général. Hein. On a tout ce qu'il nous faut ici, oui, voilà, on va dire. On essaye de vivre ici, de rester ici sur place. Et... vivre en autarcie, quoi, voilà, un petit peu. Par rapport à, on va reprendre Charleroi et Liège, on a un taux de chômage qui est super bas. Alors que ça veut quand même dire qu'ici en Ardennes, on a envie de travailler, on travaille, on essaye de se débrouiller, quoi. Et c'est peut-être les grosses villes, on va dire Charleroi et Liège, qui font relever le taux de chômage et qui font payer les Flamands. Bon, ben, on ne connaît pas non plus la situation en Flandre, mais en Wallonie, il y a beaucoup de gens qui se laissent vivre, quoi. Qui ne voient pas plus pas loin. D'ambition. Pas d'ambition. Pas d'ambition, voilà. Ils ont leur revenu et puis c'est tout, quoi. Stop. Ils ont assez, ils ne voient pas plus loin. On vient de faire courir un sanglier qui était caché dans les genêts. Et il est sorti vers la ligne de fusée, vers la ligne de chasseur. Et le chasseur l'a probablement tué, je pense. Allez, tous les habitants de la Belgique, c'est les Belges. Je ne comprends pas, je ne vois pas la possibilité qu'elles se séparent. Si elles se séparent, on ira avec qui? Avec la France, ou on restera indépendant? Ce n'est pas possible, c'est inimaginable. La forêt qui pousse est silencieuse. La majorité des Belges sont silencieux et un arbre qui tombe fait énormément de bruit. Alors, je pense aussi que c'est une minorité tant au niveau des gens qui font énormément de bruit et au niveau des médias, mais au niveau des politiciens aussi. C'est une minorité. Je pense que la majorité sont des Belges. Naar Luik, de vurige steden. Voetbal, André Kools, een groot industrieel verleden, maar ook muziek. Hollywood Pornstars is een succesvolle Luikse rockgroep. In augustus nog op het podium van Pukkelpop. Quand je vois les gros titres de la presse, moi ça, parfois ça me scandalise. Hein. Je veux dire, il n'y a pas longtemps, on est tombé sur un magazine qui titrait « Voilà ce qu'un flamand donne à un wallon par jour ». Enfin, voir des choses pareilles, je ne comprends pas. On se croirait revenu à un moment, on dirait la période, le pré-nazisme, hein, tu vois. Ces espèces de campagnes où on essaye de d'énerver les gens. Enfin, moi personnellement, ça me fait vraiment peur et je ne comprends pas vraiment pourquoi. Qu'est-ce que c'est 2,50 €? C'est le prix d'une bière. Un flamand offre une bière à un wallon tous les jours. C'est quand même une chouette marque de sympathie. C'est clair que c'est assez dérangeant d'avoir cet avis général qui veut dire « Écoutez, wallon, on essaye de vous réveiller parce que vous dormez. » Encore une fois, qu'est-ce que ça veut dire, quoi, vous dormez? C'est pas du tout le cas. C'est clair que si on commence à réfléchir en statistiques, en pourcentage, etc., mais je veux dire, on est des humains, quoi. Chaque cas est assez précis. Je comprends pas du tout cette attitude à vouloir. Ah voilà, là ça ne va pas,
séparons-nous de ça. Bon, on n'a pas besoin de vous pour avancer, on est une espèce d'élite. C'est... Enfin, je sais pas. Je trouve que c'est vraiment un raisonnement malsain. J'ai envie de vous poser la question. Est-ce que pour vous, c'est une minorité, cette personne-là? Ou à la limite, j'ai envie de vous dire, est-ce que vous êtes pour la séparation? À la limite, c'est un Wallon qui pose la question des néerlandophones, enfin, des flamands. Voilà. Enfin, oui, maintenant, j'ai envie de poser cette question-là. Onze rondrit eindigt in Les Olivettes in Luik, het laatste café chantant van België. Les Olivettes is een oase ten midden van al het communautaire gekibbel in ons land. Olivette, c'est une grande famille, il y a beaucoup d'habitués, il y a un mélange de personnes âgées, de jeunes, de très jeunes, il y a un mélange de classes sociales, même ici dans le cadre, vous avez un juge d'instruction qui s'assied à côté d'une chômeuse ou d'une personne de la CPAS et qui passe la soirée avec. Donc il y a ce mélange qui se côtoie et qui se respecte surtout, parce que c'est important. J'aime chanter ça, j'ai toujours aimé chanter en fait. Là, à côté, j'ai ma fille par exemple. Ma fille est morte à 20 ans, mais elle a chanté avec moi ici. Ma femme, qui est à côté, est morte il y a 3 ans. Mais on était toujours ici. Donc, c'est, à la fin, ça devient une famille. J'aime chanter, j'aime les gens qui sont ici. Je m'entends avec tout le monde, sauf quand ils se politisent. Non, je suis apolitique. J'ai toujours dit que chacun valait son prix. Donc, il y a certainement de très bonnes choses chez les néerlandophones, comme il y a de très bonnes choses chez nous. Bon, je pense que ce n'est pas de toute façon le peuple qui fait ça. J'ai tout et j'ai rien. Je chante sur mon chemin. J'ai rencontré des personnes politiques au comptoir. De Roupon, par exemple, je l'ai eu ici, Coles, Perrin, qui est à l'université de Liège. Il chante ici, par exemple. Perrin, quand il vient avec des collègues, il va chanter. Mais il ne parle pas politique. Il vient de faire la fête, c'est tout. Je dis, quand les gens veulent s'entendre, ben ils s'entendent. Bon, c'est comme dans une famille, c'est la même chose. Un pays, c'est une grande famille. Bon, vous avez des familles divisées, vous avez des familles qui s'entendent, et ce, c'est finalement chaque individu qui crée ça. On est obligé, un petit pays comme on est, ne pas arriver à s'entendre. Hein? C'est pas normal. De Hollywood Pornstars en het Café Chantant. Het is allemaal te zien in Luik en ze staan hier model voor twee soorten Wallonië.